Blanche de Richemont, nous vous donnons 2 minutes pour vous dire évidemment qu'est-ce que la joie, mais surtout chanter l'instant, ce petit sous-titre qui apparaît sur le livre. Qu'est-ce que vous mettez dans ce mot d'instant ? En fait, pour moi, la joie n'est pas forcément que un moment d'extase, un moment d'envoûtement, un moment d'enthousiasme. La joie, c'est une façon d'être au monde, un regard ouvert sur le monde et une façon de capter tous les petits miracles de la vie. Car pour moi, quoi qu'on traverse, la vie est toujours miraculeuse, elle est toujours émerveillement. Et si on a le regard ouvert, on peut toujours les capter. Ça arrive tout le temps, tous les jours. Quelle que soit l'épreuve qu'on traverse, c'est là, c'est possible. Et c'est cette joie-là que je vise, c'est donc cette joie-là que je parle. De cette joie-là que je parle à travers mon petit dictionnaire de la joie. Parce que j'ai voulu montrer que la joie était comme une pépite d'or qui sommeillait, qui veillait au cœur de tout. Donc j'ai fait l'inventaire de tous les mots de la vie quotidienne qui peuvent nous tourner vers la joie, mais j'aurais pu dire table, pilier, enfin n'importe quoi, parce qu'en tout, il y a de la joie. Si on cherche, si on arrache les voiles, si on a le regard ouvert, si on a envie de passer sur terre un peu comme un éclaireur, comme une étincelle, et essayer de passer à travers les mailles de la souffrance, pas sans souffrir, mais comme une personne en quête, en marche, comme quelqu'un qui veut être juste initié par la vie. Et donc oui, chanter l'instant, c'est-à-dire avoir les yeux assez ouverts pour toujours capter tous ces petits miracles de la vie.